Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette émission. Voilà, chers compatriotes, c'est juste un flash informatif. Chers compatriotes, comme vous pouvez le lire dans les titres, Félix Antoine Tshisekedi menace de dissoudre le Parlement. Vu la cacophonie qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, alors le président de la République a convoqué 415 députés de l'Union sacrée au quartier de l'Union africaine. Voilà. Donc, c'est dire que tout sera recommencé à zéro et que le samedi le 18, comme c'était prévu, de d'élire le bureau définitif, cela n'aura plus lieu parce que le Conseil d'État a convoqué l'Assemblée nationale le lundi le 20 du mois de mai 2024, chers compatriotes. Alors, dans l'actualité, nous vous proposons une vidéo qui retrace les informations dont nous allons parler, comme par exemple une victoire auprès du Conseil de sécurité de la ministre de Mines, Antoinette Samba. Voilà, cela arrive 2 ans après, c'est-à-dire que les minerais seront retracés et les minerais de sang ne seront pas acceptés. Voilà, c'est Joël Kitengé qui nous explique cela dans l'actualité, y compris les victoires engrangées dans l'Est. Désormais, maintenant, c'est les Fardessé et les Ouazalendo qui attaquent. Ils n'attendent plus que l'ennemi attaque. Maintenant, c'est eux qui attaquent. Et beaucoup de localités sont récupérées tous les jours, chers compatriotes. Voilà, nous allons essayer de lire l'actualité et d'illustrer également. Voilà, chers compatriotes. Comme vous pouvez le voir dans les titres, chers compatriotes, c'est une publication de foxtime.cd. À la une, il y a eu des accords au sein de l'Union sacrée. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est reportée à une date ultérieure, d'après le communiqué, c'est-à-dire sine die. Voilà, ça c'est grave, chers compatriotes. Alors, lisons ensemble cette information. Chers compatriotes, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Désaccord au sein de l'Union sacrée. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale reportée à une date ultérieure, d'après le
communiqué. Ça, c'est foxtime.cd. Voilà, chers compatriotes, la séance plénière prévue ce samedi 18 mai 2024 à l'Assemblée nationale pour l'élection des membres du bureau définitif est reportée à une date ultérieure, indique un communiqué publié ce jour sur le compte X de cette chambre basse du Parlement. La séance plénière de l'Assemblée nationale initialement prévue pour ce samedi 18 mai 2024 est reportée à une date ultérieure, renseigne le communiqué signé ce vendredi 17 mai par Nzuzi Umba Percy, secrétaire rapporteur de cette chambre. Voilà, il convient de rappeler que l'élection du bureau définitif de la chambre basse du Parlement congolais était prévue ce 18 mai au cours de la plénière qui vient d'être reportée. Un peu plus tôt dans la journée de ce même vendredi, Félix Tshisekedi, autorité de référence de la famille politique Union Sacrée de la Nation, avait convoqué le Présidium ainsi que tous les députés nationaux pour tenter de résoudre tous les conflits d'intérêts autour des candidatures aux différents postes. Eh bien, chers compatriotes, je vous signale qu'il a dit lors de cette convocation du Présidium et de 415 députés nationaux, il leur a dit qu'il n'hésitera pas, à dissoudre le Parlement et à envoyer tous les députés aux nouvelles élections. Voilà, il a menacé, il a dit si le désordre persiste, si le désordre continue, alors il dissout le Parlement. Donc, chers compatriotes, attendons-nous un jour ou l'autre à ce que le Parlement soit dissous. On ne va pas s'étonner. Alors, il y a plus de 300 députés qui ont dressé une pétition et ils ne sont pas d'accord pour le ticket actuel de désignation du président du Parlement, du premier vice-président, le deuxième vice-président, etc., jusqu'au rapporteur. Eh bien, ils ne sont pas d'accord. Voilà. C'est pourquoi, chers compatriotes, nous pouvons également informer que la Cour, le Conseil d'État plutôt, a convoqué le 20 mai, l'Assemblée nationale. Alors, attendons voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas pour bientôt que nous allons attendre le bureau définitif du Parlement, chers compatriotes. Eh bien, quant au ministre, nous ne savons pas. Pour que on proclame la constitution du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, leur nombre, etc., il faut qu'il y ait un parlement formé. Donc on est parti encore là pour longtemps. Est-ce que c'est sérieux? Nous, le peuple, nous allons continuer à attendre, chers compatriotes. Ce n'est pas normal. Voilà, chers compatriotes, ce que nous pouvons apprendre là-dessus. Voilà, chers compatriotes. Eh oui, c'est grave. Pour le reste de l'actualité, chers compatriotes, je vous propose une vidéo qui parle de l'actualité. C'est très important, chers compatriotes. Suivez. Donc, nous avons gagné une grande victoire dans le domaine des mines, des minerais de sang.
Donc Paul Kagame n'a qu'à se tenir sur ses gardes. Il ne saura pas vendre les minerais du Congo qu'il a stockés chez lui. Voilà, chers compatriotes, suivez. Nous avons l'ibisonion sur Mukanda au signé ministre congolais Yamine, Madame Sama, a adressé à nous la Conseil de sécurité pour nous protester et pour rappeler les processus de Kimberley. On va consommer la minerie à Makilate, aux minerais au zone en conflit. Très bien. Pour que le Conseil de sécurité a traité de la requête, va sanctionner à cette occasion la multinationale Union, ça veut dire Batu Oyo, Nele, les Canadiens, les Américains, les Allemands, on va créer un comptoir dans la couloir de Burundi, Uganda, Rwanda, et qui savent que les minéraux vont être consommés pour être transformés par la banque. Les minéraux vont être maquillés par les Congolais. Très bien. Cette initiative a été reçue dans le Conseil de sécurité. Et ambassadeur de la vice permanente à la Conseil de sécurité, M. Zenon Congo, qui a fait relais, et nous attendons, soit au début de la semaine, une réunion imminente par rapport à l'examen et à la requête de la ministre Samba. Quand c'est arrivé plus de 2 ans après, mais l'essentiel d'une initiative forte a été prise pour nous permettre de minérer la vice et de côté dans la zone de conflit et qu'il y ait de bon côté. Et là, nous sommes sous Yami Balé. À côté, il y a 100 des batailles. Nous devons d'abord apprécier et remercier la brigade de réaction rapide au Bazana Axe et à Routour. Axe et à Routour, nous avons enregistré depuis la semaine passée avancer, fait par exploit très significatif qui a épargné à l'endroit à Barwandé. Que ce soit la Bouit, la Vitu, la Kibirizi, ou encore de tous les coins qu'il y a. Et ça coupé ça, occasion que l'axe, Routour, les militaires et les Oisalem sont déterminés, il y a qu'on s'est rapproché vers leur camp général, la Routour centre, et mais également la cité à Bounagan, la frontière. Très bien. Vichumbi, tout ce que nous connaissons, stratégie là en gros, c'est pour que base à la Nanzela, il y a Kobi Manama, il faut que tout le monde soit venu à l'acte. Et à ce moment-là, il y a un bot dans un canot rapide qui le permettait, il y a tout transporté minéré qui est dans le Mouabango, ou encore nous avons un moussika pour y avoir un moussika pour y avoir un moussika pour déboucher la moussaki, au besoin de moussaki, qui est en train de Nabunagana. Pourquoi madame a écrit cette lettre? Puisque les informations servissent à sécurité à Bissot, n'a pas servi de sécurité annexe au bazar pour accompagner Bissot, démontre que le Rwanda a construit des entrepôts pour conserver plus de minéraux à un côté dans un moment opportun et à ce moment-là pour expliquer l'opinion. Et coltan à Rwanda, et à la qualité, mais Rwanda est un moment que nous connaissons chaque province, chaque préfecture, même avec la commune préfecture. Et il n'y a aucune cité, un point où on va produire des minéraux, où on va créer la capacité d'exportateur. Tout vient de la République démocratique du Congo. Et à la Kibiris, et à la Ruine, Bouito, encore moins Vichumbi. Le FRDC a assuré une suprématie dans l'offensive. Pour une fois, il faut noter que Bazeli Banguna va continuer à faire la pression à la bande pour agir en défensive. Ce sont eux qui sont passés à l'attaque. Et ça, la Gosenga n'a plus sa base pour encourager les FRDC. Par contre, Mais
Laissez les limites. À ce moment-là, nous avons encouragé les FARDC à faire une opération dans l'Urangom. Très bien. Nous les appelons à agir efficacement à l'image de l'opération Ouzakosali Manaroutchou. En même temps, nous insistons pour la Bazalé, nous avons la Massisi, et tout faire. Puisque ma députée Eli Amassisi, vous savez que l'élection est Salema Kitounate. Et Cour constitutionnelle Azoua qui arrête, a reconduit la Massisi dans l'Urangom, on a parti à Routchou, puis Bazala qui a relevé l'organisation. Kakaba député Bazala qui est élu en 2018, on les a enchaînés pour Bazala un second mandat, même quand ils ne sont pas élus pour quorum, il y a 500 députés à la terre. Et les députés ici, dans l'espace Yamassisi, il faut aussi noter que Namassisi, ex-président, coordinateur, il y a campagne à président de la République, Jacques-Mé Jabani, qui est originaire. Puisque Zamukunde, Yamassisi, il n'y a pas que les Rwandais qui sont. Si, si. La commune peut insister pour le recrutement forcé, il y a des jeunes et des mineurs pour dénoncer, puisque le recrutement mineur n'a pas le droit, ils allaient considérer comme crime contre l'humanité, comme crime de guerre, il est interdit à utiliser Bana dans un conflit armé. Très bien. Deuxième élément, il y a hommage aux élèves qui sont victimes dans leur pays. À propos, il y a directeur provincial, il y a PDD, CS. Pour un programme, il y a désarmement, démobilisation, réinsertion sociale, il y a Bato Bazala qui va combattre à l'eau. Malongola, Tony Tambo, pour Tony Tambo, Bazala qui a un bois limamo, il dit Mouné, Mouné, il y a un peu le roi, Mouné, bah écoutez, mais c'est la Bébal. C'est comme M. la Bébal, on a un sac qui cala. Aventurier Mouné, Mouné, la PDSS va faire le lot parce qu'on fait 13 mois. Nous sommes ce matin déjà 18 mois et un paiement. Pour mener ma enquête, le gouvernement de la République a déboursé mis sur le pont à Bango. Azo Foukate, frais de fonctionnement exacté. Et ensuite, coordinateur, il y a PDSS, Naogom Manor Kivu. L'hôpital va se condamner la victime. Il a pris parole. On a condamné, on a groupe armé, Bayena Mouga, Babomi Bomi, et nous les rappelons, lui disant, messieurs le coordonnateur provincial. Et Zalambalon a souka et Kokamata parole en public, Poyana Boussoba. Un gouvernement responsable comme gouvernement américain, après bombardement à Mukunga, affirme que Batoana Bakou ne fait pas le bombardement rwandais. Il y a armée rwandaise. Il y a Oya, Ozoko Kakotanga Rwanda tel un discours. Quel groupe armé est bombardé dans Goma à Nantes? Toutes les nations qui vont suivre le Rwanda. Et puis voilà pourquoi ils nous sont quittés au lobby. Nous sommes aussi les Congolais. Nous nous discriminons les Congolais. Là, si on a dit que nous avons besoin de communiquer avec les Congolais, nous avons besoin de communiquer avec les Congolais. Nous avons besoin de Congolais. Puisque c'est le Rwanda qui tire. C'est Kagame qui nous a mis. Et il nous dit que Zali, ma groupe armée, tu fais allusion à qui et à quoi. Tika discours, on a en bongo, à tenir Yango, c'est normal. Trois ans, on est empereur, beau. Mais discours, il y a un étranger. Et là, comme on souci, on s'engage, il dit Soto Soso. Pétoyer. Le gouvernement de la République, à partir d'un communiqué au gouverneur militaire, Chirimouam a déclaré qu'il a vu. Azope sa bawazalen, teni asika, pe teni distincte, na FRDC pour base à la différence, peut permettre que confusion et zalate entre ma vraie wazalen, n'a pas besoin de se servir d'un identitoire pour commettre des exactions. En pré-enquête, on a découvert Nagom. Plus ou moins 500 motos et 500 motards pour aller au salle à taxi moto dans 4 villes, il y a comme après enquête. Tous, Bazala qui généralement, quand on a Congolais, est-ce que vous devez comprendre que c'est un Congolais là, Congolais ma Congolais, il n'y a pas d'un côté. C'est ainsi que le gouverneur avait pris la décision à partir de 18h, Congolais, moi, qui au salle à taxi, Nagoma, et
et on a saisi plus de centaines de motos qui traînent dans l'hôtel de ville. Bah, le qui a bah, le moto va bah, s'identifier, va bah, mon abango va bah, foutre en main de bas sur ma moto. Tellement que le gouvernement a servi ça, c'est moi, parce que la team béni. Bah, Sundoli, bah, moto, moutonzoa, pour réclamer moto, mais là. Monsieur Zaza, puisque les Rwandais avaient compris, il y a qu'on injecté ma moto. Et dans mon temps, on a coupé parce que, comme a dit, l'assassinat ciblé. C'était chaque jour, dans midi, dans 9h, dans 15h, au coup de la bête, nous trouvons ça en plein air et va disparaître. Et tous ceux qui utilisaient, vous allez comme un montant. Donc, comprendre, j'ai un abango, ton collant d'abango, dans le détail, yes. Kasi. Donc, on va congolais, parce que la taxi moto, la Kinshasa, au Sengi, l'autorité batika va monter tra. Tranquille. Banyo kwa mi pe ming. Bakanga na moto tenenge zo kanga ba la période. Ata seria ki buto ba bakanga ma boete. Ba boto la ba moto boete. Ba teka ba moto ya ba tu boete na police. Pula kuya l'aspect ya politique. Des signatures et a signé parmi ba députés ici en membre ya Union Sacrée. On a destitué Présidio. Olongola, Batata, Obako Kamba Présidio. Et demander au président de la République que Balingi l'issue sous Présidio. Je ne pas dire que Batoujo soit à la carte à Présidio sont nécessairement mauvais ou pas. Mais on sent que Bazako se mettre souvent d'accord dans la prise peut conduire à la décision. Il est important que cette pétition. Et comment le président de la République a prendre acte, mais nous proposons au président ceci. Convoquer ma députée, nous avons dit que nous avons un chapiteau. Il y a un chapiteau, la pétition de la 200 signatures que vous avez obtenues à côté. Il y a un et qu'il décide. Union Sacrée est un coordonnateur, mais il y a un chapiteau seulement. Mais coordination est à la homogène, dans lesquelles il faut pas qu'il s'appelle son bureau Union Sacrée, bah, sur place à la carte. Le bureau Union Sacrée, et comment les réunions se tiennent. Car si, côté de qu'on permettre de, donc on peut s'enzélater la coordonnée de l'Union Sacrée, abîma en dehors, il y a parti phare, pour les alliés locomotives, il y a Union Sacrée qui est l'idée de passer. Ça, bon côté. Vous savez, à attaque à Bilo, autant qu'on va venir au Kamba. Peuple des Alaka la locomotive, il y a un parti sur FCC, il y a AMP, il y a MP, et les coordonnateurs ne pouvaient venir que de là. Et c'est bon mot. La carte ça y est qu'il choisit. Nani a coordonné. Donc moi, il est sous l'Isanga, le secrétaire général Awa, Bemba Awa, Mosso Awa, Bahati Awa, Kamere Awa, Samaloukon de Koutaza, ta leader était Botier Wana. C'est impossible, puisque dans le ça m'a pas oublié l'année. Azam, cadre Yako, président Yako, Dani Bang. Donc, la cadre est parti dans Bango, Azam, ta secrétaire général. Ago, comme la présidente, pas diriger là. Azam, quand la cadre est parti, n'est-ce pas? 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 Ago, comme la présidente, pas président, n'a pas? Azam, ta association, Oyo, parce que moi, la cloche a dirigé. Ça m'a reconnu, n'a pas même une association. Premier ministre Libako à zéro. Mais à côté de ce qui n'a pas sans une bombe à zéro, tout est. Et ça va monter. Et nous pouvons y voir clair. Bon, on va dire que ça va million. On va couvrir tout la Kinshasa, mais va mille tout. Donc, on sent que la Kango chaque jour. Ça m'a reconnu. Kizaru, va bouger. Il y a zéro tout. Et ça, bon, mon ami, tu peux avancer. Présidium, même mon contact qui m'a dit, et ça, il y a un milieu des alliés, occupation, mais ça, composition, les bébés, basi, balèque, la basse, suite la pression d'Abino, la pression d'Abiso, peut varier son populaire. Est-ce que Bati Lukwebo a retiré moi la naine à cours c'était? Est-ce que Tobouki, Congo Royaume T? Tobouki, Congo Royaume comme moi, Sibana, et tout tourne autour, il y a moins 30, 25 familles, Bati Rizaka, plus de 150 millions de Congolais. Et tout n'a qu'autour d'eux, et l'eau qu'on a pour permettre. Pourquoi il faut
son président Melo, puisque même mise en place à Biro, à part candidature à la présidence, il y a l'Assemblée nationale, on va se mettre par nous sur l'accord. Premier vice-président, il y a Chiluma, on va se mettre d'accord. Tous les autres postes de Miss Mirigami, où il y a déposé, où il y a déposé, où il y a déposé, ordre et salité. Bati, pour la co-diriger Union Sacrée, tu n'as pas besoin d'une démocratie. Ça, c'est un fonctionnement politique. Bah, hier, on peut si Bango Mitindo, si ma Mitindo pour le vice Bango, Nazara Moussale, monsieur, sortez de mon bureau. Ne parlez aucun, allez exécuter ce qu'on vous a dit. Bosotoana et Gosila. Et ça, bon côté. Pète ton copain sans élate dans son bien. Coordonnateur, ce qu'il y a, il y a une espèce de nous n'allons pas l'écouter. Nous n'allons pas le permettre de travailler et nous n'allons pas le laisser. Les hommes, tous ceux qui m'ont commis balayer les lots. Ne va pas là qu'il y a Kabila. Ne va pas commis mon capana 18 ans. Présidium est déséquilibré. Quand ils sont la présidium, Bukavu, province Moko, ils ont deux membres de la présidium. Puis ils sont par exemple l'espace Kassai. Cinq provinces, ils ont un membre de la présidium, Nani, Moko, Kako qui s'est capable. Est-ce qu'équilibre est à la clé? Pas aux cinq provinces qui parlent de Kassai. Kassai central, Kassai oriental, Lomami et Sankou. Ils ont un représentant de Nani, Kapo. C'est quel président? Les invités. Et pourquoi Bukavu va Kobima Nagamere Nabas? Ce n'est pas possible. Il y a un point de copé sans élan, comme Kolomoko. Ngobila. Ngobila. Nabenion dans la bonne. Est-ce que maintenant il couffa peu pour là? Il y a qu'on investit Bumba dans le président signé, Bumba Azui dans nos fonctions et comme un gouverneur. Les hommes, Obila Azui Makan ici. Il y a qu'on initia Bumba et pas ma maman, et pas ma motard, et pas ma quinoa, le col à télé va pour sa vitamine, pas qu'on s'y est à Abambananassé. Ordrenons son bazar Kopu Kabilo, bazar Bengana, bazar Koto. Vous pouvez qu'on signe, bulletin de service, on a ordre de mission. Sandiri Gobi. Et ça n'a dit n'a ni ni osa n'a faim au cocaté. Est-ce que Kim Mopetre, ça va tout battre, Kakato Kim Mopetre, la qui s'a dit sur Kim Mopetre, ça va être comme on a eu boxy. Et ça va être Kim Mopetre, pas Mobila, comme on a eu grand pré. Non, tout le monde. Tout le monde est là, on ne se sent pas le doxy la grand pré. Or, le doxy la grand pré, ça a deux fois, deux messieurs. Deux millions pour les carignons. Nobila, papa Gila Linguette, la bengio malamogoga. Batou ebele bazoloba, et pour protéger Nobila. Batou ebele bazoloba, kolinga kakotia Nobila, pour l'été. C'est vrai, azam kama indombi, opozam kama indombi, tout ça va tribalisité. Et montre-leur qu'osa un homme d'État, qu'osa haut fonctionnaire. Attendre les poisons de Kambo Kanayo, va protéger Kamoibi. Tolingi Toyeba, paria Sophie Bank, paria Sozema. Pourquoi 44 millions Sozema d'un défi dans Sophie Bank pour battre un gazango? Puis Bango va gérer ça pendant 25 ans. Bango ne va côté Kaba étalage dans ma boutique. Et pourtant, l'hôtel de ville, il est ce là qui est dans Sophie Bank. A remboursé 44 millions de dollars. Comment? Mais si vous êtes Sozema, appelez ça Nini comme caution, comme garantie, qu'est-ce qu'il a versé à la ville pour gagner ce marché? Et Sozema, ce qu'on a signé contrat, la société où est ton Gizan. Et Sozema va diriger. Ah, ton Ligito Yeba, contrat Wana, et ça, pour la Grand Paix à Edox. Ville à Kinshasa, Grand Paix. Sogema et l'Oxy. Il n'y a pas de mesures équilibrées. Et cet argent est au salaire que, en arrivant comme il est devenu gouverneur, à beaucoup de gouvernements, ils ont tellement endetté, tout est hypocrite.
hypothéqué et il aura du mal à construire un bon groupe, il y a un accent naïe. Les lois, il va caper par million. Kanisa, après ça, va mon bon et avance, pour pas ça, il y en a un forage. Mon bon avance, pour pas qu'on a un forage, c'est 38 millions de dollars. Et où tu n'as qu'à ce trésor. Et nous découvrons des armes de Tongami à 44 millions. Attends, on y est bon côté. Dans la caisse Nabiso, on peut trouver 78 millions à couper sa moutou. Avant, c'est la forage de Mizagami, qui n'a pas foutu en zoe. Pourquoi Mizagama était ? Forage à Maï, il va la 10 000, 8 000. Forage à Maï, il va faire 280 000 dollars, 300 dollars. Voilà, on fait une photo pour que les mises sur les cahiers. Alors, nous trouvons que dans la caisse, on a l'argent, ça pouvait trouver 44 millions pour construire les marchés dans la société de l'Olivier et Jésus, ils ont une hôtel de vie. Ceux qui sont gémés pendant 25 ans, Martial Liberté, Tolofi, Tilolo, besoin d'y aller certificat à la tête. Jeannette a sali sa certificat dans le décembre à Martial Liberté, on nom et pour les comptes de la Fondation Kabila, c'est un bien propre à elle. Voté administrateur, mais du point de vue à droit de propriété, ils ont revenu dans la Jeannette. Bien parlé. Et l'hôtel de ville manquera la politique de ses moyens pour la faire fonctionner qu'il fasse ça. Et l'lobby, bah comment la combattre? Oh, il dépèse. Comment il dépèse? Parce que la ville, bah coquille. Voilà pourquoi l'lobby là. Sénat, Eza, et si quand on combat, en Guadimaroko, la été. Voilà, chers compatriotes, nous allons nous arrêter par ici. Vous avez entendu, donc il n'y aura plus d'élection ce samedi 18 du bureau définitif. Et le lundi, l'Assemblée nationale est convoquée au Conseil d'État. Voilà, chers compatriotes, ce n'est pas pour bientôt. La formation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et le président de la République, si ça ne marche toujours pas, s'ils ne s'entendent pas, il va dissoudre le Parlement et on repart à zéro pour les élections des députés, les élections législatives. Législatives, même les élections des sénateurs aussi, parce qu'il y a eu corruption et consorts. Voilà, mais combien de temps ça va durer? Le président, il faut qu'il prenne son marteau de magistrat suprême. Il faut qu'il prenne des décisions. Ce n'est pas en ce temps de guerre que nous devons prolonger la formation du gouvernement. Voilà, chers compatriotes. Quitte à dissoudre même ce Parlement et continuer en attendant avec une assemblée constituante qui peut nommer et prévoir d'autres élections. Voilà, chers compatriotes, ce que moi je pense, parce que le pays ne peut pas être hypothéqué de cette façon par quelques individus pour diriger les 150 millions de Congolais que nous sommes, chers compatriotes. Ce n'est pas normal. Voilà, chers compatriotes, je rappelle qu'aujourd'hui, le 17 mai, c'était la journée du soldat inconnu. Bon, nous savons que c'était la commémoration de l'entrée de l'AFDL, mais c'est une histoire triste à ne pas évoquer. C'était le début de l'occupation des Rwandais, mais alors ça a été remplacé par la reconnaissance du soldat congolais dans d'autres pays. On dit le soldat inconnu parce qu'il y en a beaucoup qui meurent et dont on ne retrouve pas l'identité. Alors, il existe une journée pour honorer le soldat inconnu. Chez nous, nous disons le soldat congolais. Et le président de la République l'a fait et il a honoré également les FARDC et les Wazalendo qui combattent et qui mettent à mal l'ennemi. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.